bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18 de la suite de notre aventure dans la région du Buffle sur l'île du Cuivre. Alors, dans cet épisode, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de commencer la visite de l'île et surtout d'essayer de trouver du cuivre parce que ça va nous débloquer pas mal de choses. Et je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est là. Regardez, on a vraiment... Avec les deux morceaux de cuivre que nous avions débloqués dans l'épisode précédent. Du coup, ben, on a débloqué, on n'a pas encore débloqué, mais on a au moins l'image ici, là, des trucs en cuivre. Donc, on peut déjà faire les marteaux de cuivre, les pioches en cuivre, les pelles en cuivre. Bien sûr, on a débloqué aussi les carreaux pour l'arbalète, mais pour ça, il nous faut plus de cuivre. Et on a débloqué ça. Le poncho en algues, ce qui va nous permettre de mieux tenir au soleil, la pluie et la chaleur. Ce qui est vraiment pas mal. Donc je les ai fabriqués et je les ai équipés. Donc on va pouvoir mieux résister au soleil sur cette île. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir partir en aventure. Et aussi, je voulais en profiter pour remercier tous ceux qui se sont abonnés depuis à peu près un mois que j'ai commencé à poster des vidéos. Et surtout, je voudrais dire un grand merci. Je pense que l'abonné, c'est Malsy qui laisse de temps en temps quelques commentaires. Et ça m'aide vraiment beaucoup pour continuer les épisodes. Allez, donc on va se préparer. Bon, là, on va dire qu'il fait nuit. Donc, ce qu'on va faire, c'est de se coucher pour les heures qui restent. Et démarrer en journée. Et vu que là, on a de quoi... résister à la chaleur. On va essayer d'être au moins à 60, un peu plus. Comme ça, on aura les bonus. Ah mince, j'ai oublié de déposer les anciennes armures. C'est pas grave, on va les garder dans le bateau. Bon là, ça va nous faire juste un tout petit peu en plus. Hein. C'est déjà ça. Allez, nous sommes... en pleine journée. D'ailleurs, quand on a l'armure entière, vous voyez, on a soleil 100%, pluie 100%, 3-0, surchauffe 100%, armure 12, c'est pas mal. Ça, c'est surchauffe, c'est surtout là qu'on était un petit peu en galère. Je vais aussi déposer mon marteau. Il ne me sert pas à grand chose. Et quand je regarde, j'aurais surtout besoin de réparer ça. Donc, je vais en garder qu'un seul sur moi. J'ai pas besoin d'autant de cordes. Par contre, je vais prendre ça au cas où il faudrait cartographier. Ça, je l'ai pris sur moi parce qu'on aura sûrement besoin de réparer notre sac. Et là, je vais récupérer un petit peu de ça au cas où, on ne sait jamais. Un petit peu de ça aussi. On va manger. Allez, on va en manger deux, ça va être bien. Notre petit chariot, on a quoi dedans? On a pas mal de trucs, ouais c'est bien. Donc on va déposer tout ça dans le chariot. Ça on va garder sur nous, ça on va le déposer. On va déposer un petit peu de ça, ça on va garder. On en dépose un de ça. Allez, c'est parti les amis. D'ailleurs, fais voir qu'est-ce que j'ai comme arme. Ok, c'est bon. Ça va aller. Donc ce qu'on va faire, c'est ce que je me suis dit qu'on allait passer par ici, par le petit chemin qui se trouve là. On va essayer d'aller visiter tout ça. J'aime bien faire les trucs dans le sens horaire, donc on va utiliser la même technique. C'est parti. L'arbre en face, on a déjà cartographié. Ah ok, à gauche là c'était un buffle. En même temps, en passant, on va regarder si les termitières se sont remplies. Je pense qu'il faudrait prendre l'argile qui est dedans pour que ça le fasse au total, mais on va le faire en dernier. Tiens, en face, j'avais pas remarqué, c'est une carrière de quoi? Ok, de pierre massive. On n'a pas vraiment besoin de ça. Vous voyez là, on n'a aucun surchauffe grâce à notre armure.
C'est vraiment cool. Ici, il y a un lieu de pêche. Ok, il faut vraiment ramasser les argiles. Ou soit l'argile est revenue, ou soit on l'avait pas ramassé la dernière fois. Tiens, il y a une autre tortue. Ça fait trois tortues que je vois sur l'île. Juste regarder quel danger se présente. Ok, on a un tegu dans le coin. Ah, il est là. Il donne pas beaucoup de peau, cet aigu. Ah, j'ai cru avoir entendu un autre. Ah, il arrive. Ah, lui, il a de la peau. C'est cool. Ah, ouais, bon. On va réparer ça. Il est presque complètement cassé. On a du tabac. Non, c'est pas du tabac. C'est du café. D'ailleurs, j'ai vu un truc de café là, c'est vraiment cool. Quand le café, il faut le faire sécher. Une fois que c'est sec, on peut le mélanger sur le feu, on peut le mélanger avec de l'eau pour faire du café. Qui tient beaucoup plus, qui donne beaucoup plus d'énergie. Et c'est vraiment génial. Ah quoi, si tu tombes, non tu tombes pas. J'essaie toujours de voir c'est quoi le chemin le plus court. Je pense que là on n'a pas vraiment trop le choix. Allez, toi aussi. Hop là. Je sais pas encore à quoi va nous servir la peau de tégu. Un scorpion. Deux scorpions. Un autre ici, il n'y en a pas d'autre. D'ailleurs, je vais tester la vue. À cette vue-là, c'est juste pour voir, vu que j'ai mis un peu de points dans concentration. Alors, il y a quoi comme danger par ici? Non, on va passer par là. Hein. Il y a un tégu sur notre chemin. Une harpie. Deux tégus. Il est bien caché, lui. Les cactus. Ah. Où est-ce qu'il est? On voit un ici. Un autre. Regardez, ça a déjà mis à moitié. Je vais prendre que la peau. Ça, je vais laisser ça aussi et ça aussi. Peut-être que ça va moins abîmer.
hache et ça. On a besoin d'outils, non. Cool. Il y a beaucoup de cactus. C'est bien. Tiens, il y a ces champignons là. J'entends, ouais, il est là-haut. Ok. Tricholum. Ça me donne deux nouveaux plans. D'ailleurs, cet arbre, j'ai même pas regardé, c'était quoi. C'est un arbre mort. Ok. Juste pour vérifier, on a fait ce aigu là. D'accord, il faut passer un petit peu ça. Est-ce qu'on peut le faire avec notre chariot? Ouais. J'entends un serpent. Ah, il est juste en dessous. Attends, il est où mon arc? J'entends une bestiole. Ah, c'est un tégu. Deux tégu. Est-ce que j'ai eu le deuxième? Là, je vois un tégu. Est-ce que j'ai eu le deuxième? Oui, je l'ai eu, il est au sol. Ils ont rien d'intéressant. D'ici, il y a des constructions. Un autre serpent. Ah, c'est cool, d'après ce que je viens de voir, on peut voir nos flèches à terre avec la vue. D'accord. Donc on a ça, on va avancer. Donc on est ici, on n'a pas eu encore le cet aigu qui se trouve là-bas. Pourtant, il y a deux aigus qui nous ont sauté dessus. Ah, j'en vois un au fond. C'est lui qui me crache dessus là? Ouais, c'est lui. On connaît. Ça c'est quoi? Des alpini. Grosse branche et petite. Il y a la musique de danger. Ah. La peau qui m'intéresse. Va falloir fabriquer une nouvelle un nouveau couteau. Ça nous donne quoi? D'accord. Du démon, non, ça n'en guérit pas. Ça donne des choses habituelles.
serpent. Oh, là-bas, on aurait dit une pyramide. Quoi d'autre comme danger? On a quand même pas beaucoup de vie. Il y a une pyramide et tout ça là, à mon avis, ils doivent... Oh, il y a des eaux. Oui, là-bas, là, il y a des eaux. Ok. Ok. On va essayer de se soigner. Attendez, il y a ici là. C'est quoi ça? Gourde. Des chaussures en cuir, mais dommage qu'on peut pas les prendre. Même pas grimper. Juste pour voir s'il n'y a pas quelque chose en hauteur. Non, il veut pas qu'on monte. Ah tiens. Il commence à faire nuit. Alors, on a ça qui nous redonne un petit peu. Ça, c'est contre les blessures. Santé. Utiliser aussi. Mais ça ne régène pas la santé directe. J'ai très peur, j'appréhende un petit peu qu'on peut trouver au niveau des pyramides là-bas là. Aïe. C'est vraiment pas le moment de se manger deux dégâts. Là, je vois les os là sur la droite. Ça m'inspire pas confiance tout ça. Aigu. Il y a plein de petits os partout par terre. Ah, regardez. Il y a un aigu qui vient juste de passer derrière. J'aime pas les entendre et ne pas les voir. Là, il y en a un. Ok, obsidienne, panacée, et ça. Chanson des Bulfes. Les plus grands artisans des quatre tribus étaient les buffles. Leurs mains étaient habiles, leurs yeux vigilants et leur esprit ingénieux pour créer les meilleures armes et les meilleurs outils.
Leur hache produisait les bateaux les plus résistants. Leurs mains construisaient les maisons les plus solides et leurs esprits inventaient les outils les plus précis. Oh! Vous entendez? Des grognements que je connais pas. Et des grognements que je ne connais pas. Les plus précis. Il n'y avait pas de meilleur constructeur et artisan parmi les quatre tribus que ceux des buffles. Il y a des grognements que je ne connais pas. Oh! On aurait dit un léopard. Un tigre? Non, ça c'est un léopard. Ah ouais, il m'en veut. Regardez, j'ai la moitié de ma vie. C'est pas possible d'affronter le léopard tout de suite. Ouais. Ça mérite de faire un demi-tour. Et on revient avec notre santé à bloc. Oh, il arrive. On n'a pas le choix. Yes. Deux flèches, il a pas aimé. Deux flèches, il a pas aimé ça. Enfin, deux flèches, je l'ai mis quand même des coups de lance. Toi, réparer. Va falloir en fabriquer un autre, mais pour ça il faudrait que j'entre. Bon, on va quand même aller se coucher. Ah, un tégu. Et je viens d'affronter un léopard, mon pote. D'affronter un léopard, c'est pas toi qui va me faire peur. J'espère que le léopard sera toujours là quand on va revenir. Allez, je fais un aller-retour, je vais dormir et je reviens au matin. Donc voilà, on est de retour. Les léopards que j'ai éliminés. Et là, ça c'est quoi ça? Fondant de jaguar. J'enlève les os. Là, ça a usé tout. Oh là là. J'ai juste plus. Oh là là. Faut vraiment que je me refasse un autre petit couteau. Alors, c'est quoi cet arbre? Il y a tout le temps, dans ce jeu-là, il y a tout le temps des bruits de singes. Mais on ne les voit jamais. On ne les voit jamais. Derrière le jaguar tout à l'heure, mais j'étais trop omnibulé par le jaguar. Je pense qu'il y a une mine. Je ne sais pas c'est une mine de quoi. Mais on va le voir tout de suite. Regardez cette plante, je la connais pas. C'est quoi? Aloe? Cool. Un nouveau truc. Ça n'a pas mis un nouveau plan. Alors, regardez, on dirait mine de cuivre. Ça ne ressemble pas aux autres mines qu'on a déjà vues. Oh yes. Gisement
De cuivre. Alors, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai 18. Quoi, au total 35. On va voir. Donc en 3-2, je peux prendre que ça pour le moment. Rapproche-toi. Ça usait quasiment la moitié avec 3. Peux pas tout prendre à mon avis. Il veut pas. Insuffisant. Insuffisant. Déjà rien que avec les 6 là, on peut débloquer pas mal de choses, mais ça ne suffit pas de débloquer. Ah, c'est de la pierre. Comment est-ce que je répare ça? J'ai vu de la pierre pas loin. Et quelle heure là? On est à moitié de la journée. On va en profiter pour regarder autour. Ah ouais, on n'a pas encore de... Cartographier. Ah tiens, regardez là-bas, il y a un arbre. Je ne sais pas si c'est dans la zone. Ah, regardez un tégu. Il vient faire de faire gaffe. Ah mince, j'ai mis le coup trop vite. Il a ce que je veux. Mais là, je ne peux pas parce que mon couteau est cassé. Est-ce que dans... Attends, je vais quand même regarder s'il n'y a pas autre chose. Peut grimper. Y a un arbre là-bas, là, à mon avis, c'est... Ah! Corde. Ok, cool. Est-ce que je peux y accéder? Oui, je peux y accéder. Ça c'est cool, c'est cool. Hop. Pas de nid, pas de livre. C'est pas tout le temps la fête. En cartographie. Ok, là, ah, jaguar, gisement de cuivre, donc c'est là qu'on a notre gisement de cuivre. Ici, là, on a un truc, mais en tout cas, par là, j'ai pas vu de chemin pour y aller. Faudrait y réfléchir. Donc, on a déjà tout un bout de l'île. Hein. Ce côté-là de l'île. Il y aura cet arbre-là, on va cartographier, à mon avis, ce côté. Et on aura toute l'île. Ah bah être cool. Ah j'ai tellement hâte de pouvoir ramasser beaucoup de cuivre. Et fabriquer tous les nouveaux ateliers comme ça. Je pourrais faire up la base, refaire les agencements parce que là il y a beaucoup, beaucoup de... Oh mince, c'est pas ici que je voulais aller. Il y a beaucoup de nouveaux crafts, de nouveaux engins, de nouvelles machines. Donc là-bas là ça s'enfonce un peu, ça doit pas être pour rien. Pour aller atteindre ça là. On verra. On verra. Nous étions ici. On descend. J'ai peur de me faire mal. Ah, ça va. Ah, et même il y avait une grosse pierre juste là. J'aurais préféré trouver des petites pierres. Des monolithes, des mini monolithes. Ah, des petites pierres.
Alors, c'est pas ça, c'est ça que je veux réparer. Est-ce que j'ai une deuxième? Non, l'autre est dans le bas. Ah si, j'en ai une deuxième. 1, 2. Là, je peux même pas en prendre 3. Ah, c'est à cause de ça. Un, deux, même plus, allez. Récolte. Épuisement. Ah, oui. Fatigue énormément. Je vais commencer à me manger des dégâts. Allez, on rentre. Non. On ne va pas rentrer. Pourquoi est-ce qu'on rentrerait? 75. Ouais, on va rentrer. Comme ça, on pourra tout prendre. Alors là, on est à la base, j'ai dormi et je me suis dit, normalement, je m'étais fait du café. Voilà le truc de café qui nous redonne 60 d'énergie. Pour aller miner, ça serait vraiment parfait. Le couteau est complètement cassé et je n'ai plus de... Je n'ai plus de quoi... Je n'ai plus de quoi le réparer de toutes les manières. Donc, on va le laisser dans la cale ici. On a quoi d'autre? Il nous reste deux gourdes, ça c'est bien. On va boire tout ça. Déposer et prendre une nouvelle. Ça, on va le déposer. On va vider notre chariot. Comme ça, quand on va miner, on va pouvoir transporter plus. Oh là, je peux pas prendre tout ça. Ça va, arrête de... Ah si, il reste un comme ça. Mais ça ne suffira jamais à mon avis. Ah, mais j'ai du poisson. J'avais pas vu le poisson, je voulais manger quelque chose et je ne voyais pas. Où est-ce qu'il est? J'avais vu le poisson là. Il faut toujours en avoir un peu plus. On ne sait jamais. Il y a quoi d'autre? Ah, voilà. Je vais même déposer ça, ça. Et ça, je vais juste garder le pansement, ça. Contre le surchauffe, je pense pas que ça me serve à grand chose, mais je vais en garder un. On ne sait jamais. Non. Nous voilà de retour à la mine de cuivre. Là, j'ai du café vu que miner, ça fatigue. Ah ouais, je me suis fait attaquer par quelques petites choses sur le chemin. On va tout prendre. Je peux encore. Il fait nuit? Non, je suis fatigué. Ah ouais, c'est vrai que ça fatigue très très vite. Hop là, on prend notre café. Et on n'est plus fatigué. On n'est plus fatigué, ça nous a quand même fatigué de faire ce dernier truc. 75 sur 80. J'aimerais... Ah si c'est bon, on avait déjà cartographié. Ici là, donc vu qu'on est passé par ici, on est monté sur les rochers. On a été ici là pour cartographier. Là on va essayer de passer. On était passé comme ça. Il y a ce chemin là qu'on n'a pas fait. On... Et on va essayer de passer comme ça. On va voir. Attendez, comment aller de l'autre côté? Là, si je peux grimper directement.
Non, c'est pas la peine de grimper. On va passer par le chemin. Ici, là. Et on sait que ici, il y avait un tégu, mais on l'avait abattu. Il y en a quand même un autre. Regardez, il y a des buffles qui se sont fait dévorer. Cactus. Donc on va essayer de faire pas mal de café pour notre prochaine expédition. Là, nous sommes ici. Il y a un arbre là-haut. Est-ce qu'on va y arriver avant? Attendez, je vais juste vérifier. Là, on a un tégu sur notre chemin, deux tégus. Un barrage. On peut l'esquiver. Quelque chose là-haut? Ouais. C'est ma curiosité qui me donne envie de monter là-haut. Mais quand même, attention. Ah, le voilà, j'aime bien le voir, j'aime bien les voir en avance. Ah, regardez là-haut. Vous voyez, il y a l'échelle et tout ça. Ah, j'ai pas été efficace. Ah, ça, j'aurais bien aimé prendre. Mais après, réparer. Ah, le couteau, je l'ai laissé. Oh, dommage. Il y avait la petite peau. Notre arbre se trouve. Oh! Quand ils mettent le logo de un tégu, ça veut pas dire qu'il y a un tégu. Il peut y en avoir plus. J'aimerais bien quand même cartographier là-bas. Même si on ne visite pas dans cet épisode, au moins, ça serait déjà fait. Oh, regardez le camp. Un serpent. Il y a un camp. On le visitera au prochain épisode. Là, on n'aura pas vraiment le temps. Au moins, j'aimerais au moins cartographier. Il est censé y avoir un tégu normalement, non? Ouais. Sur la droite. Enfin, la zone est sur la droite, mais il peut zoner beaucoup plus loin. J'en ai entendu un cracher là. Et ça. Allons-y. Ah, pas dessus. Ah, juste un nid. Je trouve tout au bout là-bas. Allez, en cartographie. Yes, I. Ah! On n'a pas toute l'île. Hein. Il nous manque tout ce bout-là. Ça doit être... Oh là 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 là. Je sais pas s'il y a un autre arbre de l'autre côté. Ça se trouve que si et ça se trouve que non. Ah, il y a un autre jaguar. Il y a un autre jaguar. Tiens, il y a lui là. J'ai l'impression de descendre la tête en bas. Trop bizarre. Il y a le camp.
Là, le chemin le plus rapide serait de passer par là, mais on va faire demi-tour et essayer de rentrer à notre campement bateau. Wow! L'attaque! L'attaque, l'attaque, mec! Dans le dos! Aucun respect. Même pas d'honneur. Ah, le bruit qu'ils ont rajouté quand on est lourd, je le trouve vraiment dégueulasse. Genre le mec il souffre. Comme pas possible, comme s'il allait en mourir, quoi. Ah, ça va, ça va, ça va. Ça va. Ah là 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 là. Incroyable. Ok, d'accord. Sur ce, bon ben, on va arrêter l'épisode ici. Donc, on va se retrouver le dimanche 10 décembre pour le prochain épisode. En attendant, je vous dis ciao ciao tout le monde. À la prochaine.